joueurs partent dans les grands clubs, dans les clubs justement qui vont gagner. Ouais. Donc il y a bien une raison. Est-ce que ça peut se rééquilibrer un jour? Les autres ont pris de l'avance. Il n'y a pas d'autre moyen possible pour contrer les clubs? Les moyens, on le voit avec souvent la France de temps en temps, parce que les moyens, c'est la formation. Mais une fois que vous avez formé quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va dans les clubs qui sont les plus riches et il vient rejouer contre vous. Alors que c'est donc ce qu'on voit en Europe, c'est la même chose en Afrique. C'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. C'est la question qu'on va se poser toutes les années, parce que effectivement, les clubs du Nord continuent de tout rafler. Bah oui. Et ça sera encore le cas la semaine prochaine. Il y a toujours des surprises. Ouais. Nous, on a réussi à faire quelque chose. C'était surprenant, mais je vais pas vous dire ce qu'on a pu faire. C'était ça tient parfois du miracle. Moi, à Berkane, j'avais tout à côté de moi. Ah ouais. Dans Vita Club, quand vous faites un entraînement, vous devez le faire. Il y a un autre club qui attend. Vous devez quitter le club. Vous devez quitter. Vous n'avez pas. Ouais. Vous avez un entraînement dans la journée, pas deux. Vous n'avez pas le temps de travailler quoi que ce soit parce que tout le monde est là. Ouais. Les supporters sont à côté sur des terrains improbables. Moi, j'ai préparé la finale contre Sétif. La phase retour, j'arrive au stade. En 2014, ouais. Bah, tu n'as pas le terrain, on l'a donné à une église et tu es obligé de quitter le terrain, aller chercher un terrain et travailler sur un terrain que les Congolais appellent zélotique. Ouais. C'est-à-dire que... Bonjour et bienvenue sur JNZ Insport. Très content de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Le football africain a besoin de partenaires capables de faire bouger les choses. Nous avons besoin de partenaires qui seront avec nous sur le terrain, qui feront la différence. Docteur Motsep. Valeur totale de 4 grandes équipes de la CAF selon Transfermarkt. Mamelodi Sundowns FC. 33,15 millions d'euros. Al Ahly Le Caire, 32,30 millions d'euros. Espérance Sportive de Tunis, 17,15 millions d'euros. TP Mazembe, 1,35 million d'euros. Chancel Mbemba bat le record avec l'EM en compétition européenne. 6 buts en 19 matchs. En effet, le but de l'EM inscrit par Chancel Mbemba en demi-finale aller de la Coupe d'Europe contre Atalanta Bergame l'a fait entrer dans l'histoire de ce club mythique français. Il devient ainsi le meilleur buteur pour un défenseur de l'EM en marquant 6 buts en 2 saisons.
Il surclasse de ce fait, en Coupe d'Europe, Taitewo 5 buts en 6 saisons. Gabriel Inz et Basile Boli occupent la troisième place avec 3 buts chacun. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, à bientôt.